Et voici encore près de vous aujourd'hui. Nous allons travailler un peu. Alors, je vous demande seulement de mettre tout de côté, comme d'habitude. Et puis, vous allez suivre Madame Francine. Je vous avais dit l'autre fois là que nous sommes pendant la saison sèche. Et pendant la saison sèche, vous savez que nous devons bien nous protéger. Alors, on va se protéger contre, avec quoi? Avec les tricots, le bonnet, le gant, les chaussettes. Mais notre exercice d'aujourd'hui, ça sera sur quoi? Nous allons faire quelque chose. Nous allons barrer ce qui n'est pas élément de protection contre la saison sèche. Comme je viens de vous dire, que pendant la saison sèche, nous devons porter les tricots. Et sur nos têtes, nous devons avoir aussi les bonnets et les chaussettes, le gant, parce qu'il fait très froid, comme aujourd'hui. Il fait vraiment très froid. Alors, vous devez bien vous protéger. Et notre exercice aussi, c'est sur ces vêtements-là. Alors, regardez bien au tableau. Madame Francine a dessiné beaucoup de choses. Il y a la brosse à dents, les tricots, les bonnets, le parapluie, les bottes et notre ballon. Avec toutes ces histoires, Madame Francine va faire quoi? Je vais barrer ce qui n'est pas élément de protection contre la saison sèche. Alors, il faut bien suivre Madame Francine. Ouvrez les yeux, pouf! Ouvrez les yeux, pouf! Alors, croise tes bras, tu vas bien me suivre. Regardez, qu'est-ce que Madame Francine va faire? J'ai la brosse à dents. Est-ce qu'avec la brosse à dents, tu peux porter ça? Non. Alors, moi, je vais barrer parce que ce n'est pas élément de protection. Regardez encore, je vais descendre. J'ai la balle ici. Qu'est-ce qu'on fait avec la balle? On joue au foot. Est-ce que tu vas porter ça sur tes pieds? Non. Madame Francine va barrer parce que ce n'est pas élément de protection contre la saison sèche. J'ai aussi les parapluies. Est-ce qu'il pleut? Non, il ne pleut pas. Mais il fait très froid. Alors, je vais barrer les parapluies. Ce n'est pas élément de protection. Alors, regardez encore plus haut, plus bas. C'est quoi ça? Ce sont les bottes. On porte les bottes pendant la saison de pluie. Quand il pleut abondamment, tu dois porter tes bottes. Et maintenant, pendant la saison sèche, est-ce que tu dois encore porter les bottes? Non. Alors, Madame Francine va barrer. Les bottes n'est pas élément de protection contre la saison sèche. Suivez bien. Regardez tout ce que Madame Francine a barré au tableau. C'est que ce n'est pas élément de protection contre la saison sèche. Alors, pour ne pas te laisser continuer à jouer, Madame Francine a prévu quelques exercices. Tu vas voir ça sur le papier que Madame Francine va afficher au tableau. Très bien, suivez. Je suis là avec toi. Tapez les mains. Ouvrez les yeux. Regardez bien. Mon ami ne dort pas, hein, malgré qu'il fait très froid. Faut pas dormir. Très bien. Ouvrez les yeux. Allez, regardez. Madame Francine a affiché quelque chose au tableau. J'ai bien dessiné pour toi. Tu vas faire cet exercice. Suivez. Suivez bien. Très bien. Je sais bien que tu vas suivre les dessins animés. Je sais que tu as éteint la télévision. Allez, on est là avec toi. On tape, on croise. D'accord. Regardez, qu'est-ce que Madame Francine a dessiné pour toi? Ça, c'est quoi? Le pullover, le bonnet, le gant, le parapluie, la balle, la brosse à dents et les bottes. Alors, c'est ton exercice. Toi, tu vas barrer ce qui n'est pas élément de protection contre la saison sèche. Comme tu es là à la maison, tu sais ce que tu as porté. Alors, tu vas barrer. Pour barrer, Madame Francine va t'aider d'abord. Je vais commencer à barrer ce qui n'est pas élément de la protection contre la saison sèche.
Regardez bien, je vais encore répéter. Nous avons les pullovers, la bonnet, le gant, le parapluie, la balle, la brosse à dents et les bottes. Est-ce qu'on porte les bottes maintenant? Non. Alors moi, je vais t'aider. Je vais barrer quelque chose. Je barre les bottes. Parce que tu ne portes pas les bottes maintenant. Alors, les restes, c'est à toi maintenant de barrer. Je crois bien, tu as bien compris et tu as bien suivi Madame Francine. C'est un exercice que tu vas bien suivre. Tu vas bien faire ça à la maison. Ne restez pas seulement à la maison pour suivre les dessins animés et croiser les bras. Je vais encore t'aider. Je sais bien que le matin, tu avais bien brossé tes dents. Mais la brosse n'est pas aussi élément de protection. Parce que tu ne portes pas la brosse. Tu brosses avec ça les dents pour que tes dents soient propres. Alors, toi, tu vas barrer les restes. Ce qui reste au tableau, sur ton papier, tu vas barrer ça. Je crois bien que je termine aujourd'hui par là. Et je t'invite toujours à bien te protéger contre le froid. N'oubliez pas le matin de mettre ton pullover, bien ton tricot, bien ta jaquette, parce qu'il fait très froid. Alors, je te laisse continuer à travailler et après avoir travaillé, tu vas suivre tes dessins animés. Ciao, ciao! À la fois prochaine!